Aujourd'hui, un petit tutoriel autour de Notion et d'Outlook pour voir comment vous allez pouvoir, à partir d'un calendrier que vous aurez créé dans Notion, eh bien, prendre tous les rendez-vous de votre calendrier Notion et les envoyer dans Outlook de telle sorte que vous n'ayez qu'à modifier votre rendez-vous dans Notion et ne plus vous occuper de votre Outlook qui va venir s'alimenter tout seul à partir de ce que vous aurez fait dans Notion. Pour ça, on va utiliser bien sûr Make.com et je vais vous faire un petit tutoriel pas à pas pour vous montrer comment créer cette automatisation que l'on va faire ensemble. Pour pouvoir faire notre automatisation, eh bien on va commencer par se créer un calendrier dans Notion, ici, qu'on va faire sur une nouvelle base de données. Donc là, Notion me crée immédiatement un calendrier avec la vue qui va bien, que je vais appeler Synchro Notion vers Outlook. Et donc là, je vais avoir un calendrier qui est créé basiquement avec un nom, une étiquette et une date qui sont les champs par défaut dans Notion. Une fois que vous avez créé votre base de données, ce que vous devez faire avant de passer dans Make, c'est cliquer sur les trois points qui sont ici en haut et vous devez vous assurer que dans les connexions, vous avez Integromat qui est indiqué. C'est ça qui permettra de donner à Make.com l'autorisation de venir chercher vos informations dans Notion. Donc je rappelle, Integromat et Make.com, c'est la même chose. C'est l'ancien nom en fait, Integromat de Make.com. Pour donner ces autorisations, vous pouvez faire ajouter des connexions ici. Vous choisissez Make ou Integromat et vous faites nouvelle connexion. Il va vous demander toutes les informations d'authentification. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes autour de Make.com sur lesquelles j'ai détaillé tout ce process. Maintenant, on va aller dans une deuxième vue que je vous ai préparée, dans laquelle on a ici Make.com sur la partie gauche, et puis je vous ai mis un calendrier Outlook sur la partie droite, de façon à ce qu'on puisse voir un peu ce qui se passe. Dans Make, vous faites Create a new scenario là-haut, qui va vous créer eh bien, donc, un nouveau scénario dans Make, donc c'est lui qui va faire l'automatisation. Donc la première étape, dans ce qu'on veut, c'est aller dans Notion, et donc vous choisissez l'application Notion, et ce que l'on va vouloir faire, c'est aller regarder ce qui se passe dans la base de données que l'on vient de créer, donc vous cliquez sur Watch Database Items ici, vous lui indiquez ici une connexion, donc là pareil, pour savoir comment faire les connexions, je vous invite à aller voir mes dernières vidéos, et on va lui dire d'aller checker par update time parce que je vais vouloir avoir les créations de rendez-vous, mais je vais aussi vouloir avoir les mises à jour de rendez-vous, donc je vais prendre l'update de façon à ce que les deux soient répercutés dans mon Outlook. Ensuite, le database ID qui correspond à l'identifiant de la base de données dans Notion, pour le trouver, vous cliquez ici sur search et là vous mettez le nom de la base de données que l'on vient de créer, donc qui s'appelait Synchro Notion vers Outlook. Donc vous n'avez pas besoin de tout mettre, il suffit juste de mettre le début du texte suffisamment discriminant pour qu'il n'y en ait qu'un, et là il a trouvé deux choses qui pourraient s'en rapprocher, donc on clique sur la bonne base de données et ça fait que là il a trouvé l'identifiant de la base de données qui est à modifier. La limite ici permet d'indiquer le nombre d'enregistrements qui vont être amenés de Notion dans Make à chaque exécution. Donc 2 c'est un peu limité, moi je vais en mettre 20, parce que je peux avoir plus de 2 modifications entre 2 exécutions de Make, sachant que pour ce genre d'automatisation, en général je mets un temps d'exécution qui est plutôt court, donc quelque chose comme 5 minutes, donc comme ça Make il va venir vérifier toutes les 5 minutes s'il y a des modifications, et ça fait aussi qu'entre le moment où vous créez un rendez-vous dans votre Notion et le moment où il arrive dans Outlook, et bien vous aurez maximum 5 minutes à attendre. Vous faites OK, donc là la première partie de l'automatisation est créée. Vous appuyez sur plus et puis on va aller chercher maintenant eh bien Outlook. Donc vous tapez tout simplement Outlook, l'application, le bon nom c'est Microsoft 365 Calendar qui est ici, donc vous cliquez dessus et là on va lui demander d'aller créer un nouvel événement. Donc moi j'ai déjà une connexion qui est existante, mais si vous l'avez pas, il vous suffit de cliquer sur Add ou encore une fois d'aller voir mes anciennes vidéos. Vous allez sélectionner quel calendrier vous utilisez dans votre Outlook, et puis là il va vous demander les informations pour le rendez-vous qui sont le nom et la date du rendez-vous. Donc quand vous cliquez dans le champ, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre ici et qui va vous afficher la liste de toutes les informations qui ont été rapatriées de Notion, dont le champ ici Property Value qui contient en fait la liste des colonnes de ma base de données dans Notion, et donc le titre de mon rendez-vous, et bien c'est ce que je vais avoir dans le champ nom ici. Alors faut pas cliquer directement sur nom parce que c'est en réalité un tableau qui contient, vous voyez, plusieurs informations en dessous, avec notamment s'il y a des annotations sur du texte et autres, enfin je vous passe tous ces détails. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez ici plein texte, c'est-à-dire le texte en fait qui va être contenu dans ce champ. Ensuite, sur le champ start date ici, eh bien on va choisir dans notre champ date ici qui est dans Notion, et puis on va prendre le start date qui est le début du rendez-vous, et dans end on va faire le contraire, c'est-à-dire qu'on prend la fin du rendez-vous, et là vous faites OK. Ce qui fait que maintenant, quand on va lancer cette exécution, eh bien, ça va nous permettre d'avoir toutes les modifications qui sont dans Notion. Donc on va le tester immédiatement. Et dans notre Notion, on va se rajouter en date d'aujourd'hui un rendez-vous test 1 que je vais mettre d'aujourd'hui de 14h à 15h. Donc par rapport à ce qu'on vient de voir, et pour être bien clair, la date qui est en haut, enfin la date et l'heure qui est en haut, c'est donc le start date, et la date qui est en bas, c'est le end date. C'est ces informations-là qui vont être rapatriées et envoyées dans Outlook.
je retourne dans mon mec.com et puis maintenant je vais lancer mon exécution en cliquant en bas dans Run Once. Donc là, l'exécution a tourné, il me dit qu'il a rajouté un rendez-vous dans Outlook, et voilà, le rendez-vous est apparu avec les heures telles qu'on les avait indiquées. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Alors ça, c'est bien, maintenant ce qui va se passer, c'est que si on le réexécute une deuxième fois, eh bien il va nous rajouter un deuxième rendez-vous à côté, parce que c'est ce qu'on lui a demandé de faire, on lui a demandé à chaque mise à jour de créer un nouveau rendez-vous, sauf que bien entendu, c'est pas ce que l'on souhaite faire. Nous, on aimerait que si le rendez-vous existe déjà, il ne soit pas recréé, mais qu'il soit mis à jour. Alors pour pouvoir faire ça, il va falloir qu'au moment où l'exécution tourne, je puisse savoir si le rendez-vous existe déjà ou non. Et donc ce que l'on va faire pour ça, c'est que quand le rendez-vous sera créé, on va venir indiquer quel est le numéro de ce rendez-vous d'un autre Look qui s'appelle l'Event ID et on va venir le stocker dans Notion. Donc ce que l'on va faire avant de commencer ça, c'est que on va venir modifier notre base de données dans Notion et on va venir rajouter ici un nouveau champ, un champ de type texte que l'on va appeler l'Outlook ID. Ça sera donc en fait l'identifiant du rendez-vous dans Outlook. L'Outlook ID apparaît bien dans mes enregistrements et donc maintenant je vais aller remodifier mon automatisation et je vais venir ajouter une étape après la création du rendez-vous, une étape qui sera dans Notion et sur laquelle je vais venir modifier ici l'enregistrement de mon rendez-vous, donc ça s'appelle Update Database Item, je clique dessus et je vais faire comme tout à l'heure, c'est que je vais chercher ma base de données, donc en lui disant qu'elle s'appelle Synchro Notion, je lui dis OK. Je reprends ma base de données SynchroNotion vers Outlook, je retrouve les mêmes champs que tout à l'heure, plus 1 qui est ici le Database Item ID. Le Database Item ID, c'est l'identifiant de chacun des rendez-vous dans Notion, et donc celui-là on le connaît déjà parce qu'en fait on l'a récupéré sur la première étape. Donc vous allez cliquer dans le champ, on va fermer Office parce que ça ne nous intéresse pas pour l'instant, et on va lui dire d'aller chercher cet identifiant-là, le Database Item ID, qui correspond donc à ce que l'on cherche. Ensuite, on va lui dire que ce que l'on veut faire, c'est ajouter dans l'Outlook ID, donc l'identifiant Outlook, comme je vous le disais tout à l'heure, qui s'appelle ici Event ID. Et là, on fait OK. On va réexécuter ça, et ce qui devrait se passer, c'est qu'il devrait nous créer un deuxième rendez-vous ici, mais il devrait venir aussi mettre à jour dans Notion l'Outlook ID qu'on a créé juste avant. Alors, pour que ça s'exécute et que ça rappelle les modifications de tout à l'heure, je vais dire à un mec, en cliquant sur Choose Where to Start ici, de prendre toutes les modifications de la base de données, et je l'exécute. Donc là, on voit que les trois étapes sont passées. On voit aussi que mon rendez-vous vient d'être créé dans Outlook, le deuxième rendez-vous. Et si je retourne dans Notion, eh bien vous voyez, l'Outlook ID a effectivement bien été rempli. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploiter cet Outlook ID de manière à faire soit des mises à jour, soit des créations. Donc là, on a fait toute l'étape qui correspond à la création d'un nouveau rendez-vous, ce qui est une première branche. Et puis ce que l'on va vouloir faire maintenant, eh bien, c'est créer une deuxième branche qui sera celle de la mise à jour des rendez-vous. Donc la première chose à faire, c'est que vous cliquez avec le bouton droit de votre souris ici sur le lien entre les deux premiers modules, et vous faites Add a Router. Le router, ça va créer plusieurs routes en parallèle à la suite de cette première étape. Donc nous, on a créé, comme on le disait, la première branche qui nous permet de créer les rendez-vous. Et maintenant, on va expliquer à Mec qu'il doit passer dans ce chemin que à la condition où le rendez-vous soit inexistant, puisque c'est le chemin pour créer de nouveaux rendez-vous. Donc pour faire ça, on va cliquer ici sur la petite clé à molette. On va faire Setup Filter, et on va lui dire que c'est la route pour les rendez-vous inexistants. Donc ça, c'est uniquement visuel, mais au moins ça permettra de l'afficher. Et la condition, enfin comment on sait que le rendez-vous est inexistant? Eh bien, on le sait parce que l'Outlook ID qui est ici, qui est un tableau, et on sait que c'est un tableau parce qu'il y a des petits crochets derrière, eh bien cet Outlook ID, en tant que tableau, donc vous devez aller chercher l'opérateur qui s'appelle ArrayOpérateur, parce que c'est un opérateur que l'on voit ici sur les tableaux, eh bien ça veut dire que l'ArrayOpérateur, il a une taille qui est égale, donc ArrayLength equal to, et là vous lui dites 0. Comme ça, il passera dans cette route que dans la condition où le rendez-vous n'est pas existant. Et puis on va créer une deuxième route en cliquant sur le routeur ici, qui sera l'inverse, donc ça c'est pour les rendez-vous existants, où là par contre, il faudra que l'Outlook ID, il ait un array opérateur qui soit supérieur à 0. Comme ça, ici, on a créé une deuxième route pour les rendez-vous qui sont déjà existants, et donc on va rajouter un module. Ce module, ça va être un update on event, parce que contrairement à tout à l'heure, on va pas créer un nouvel événement, on va le mettre à jour. Donc vous cliquez dessus, et vous lui dites sur quel event ID on est en train de travailler, et l'event ID, c'est précisément ce que l'on a stocké ici. On va mettre à jour, quand c'est nécessaire, le nom, en allant dans plain text,
et on va aller mettre à jour la date aussi si jamais il y a besoin. Donc on le fait pour la date de début et pour la date de fin comme on a fait tout à l'heure, et on valide les deux, et a priori on n'a pas besoin de mettre une autre étape derrière étant donné qu'on connaît déjà notre Event ID. Alors on va faire quelques modifications puis on va exécuter ce workflow. Il y a une chance pour que ça plante, je vous montrerai pourquoi juste derrière. Et ce que l'on va commencer par faire pour exécuter notre workflow, c'est qu'on va aller faire des modifications dans Notion. Donc notre rendez-vous de test que l'on a créé tout à l'heure, on va le déplacer de 15h à 16h et on va l'appeler rendez-vous test 1.1. Et puis on va se créer un deuxième rendez-vous en date d'hier qui va être le rendez-vous test 2 que l'on va mettre le matin de 11h à midi. Là c'est bon, je retourne dans Mec et j'exécute mon workflow et on va voir ce qu'il se passe. Alors vous voyez, il s'est passé deux choses. La première, c'est qu'il est passé sur le rendez-vous inexistant et il l'a créé. On le voit ici, vient d'apparaître. Le rendez-vous test 2 est apparu hier de 11h à midi comme prévu. Mais par contre, il a planté. Alors pourquoi ça a planté ici en bas? Eh bien, c'est parce que le qu'on a rempli ici dans Outlook ID, mais on ne pouvait pas faire autrement tout à l'heure, c'est pas tout à fait exact parce que comme c'est un champ texte, et bien de la même manière que sur le sujet, ce qu'il faut, c'est pas récupérer l'Outlook ID tout simple parce que ça, c'est un tableau. Ce qu'il va falloir, c'est récupérer ce que l'on a maintenant et qui s'affiche dans Outlook ID. Vous avez la partie plein texte. Et donc ça, par contre, maintenant, ça va fonctionner. Que ce que l'on va faire pour voir si ça a fonctionné ou pas, c'est qu'on va retourner dans Notion. Ce rendez-vous-là, on va l'appeler, au lieu de test 1.1, on va l'appeler test 1.2. Et puis, on va réexécuter notre workflow. Et vous devez aller voir que maintenant, ça devrait fonctionner. Et donc, on devrait voir notre rendez-vous qui va se renommer en test 1.2. Et là, j'ai effectivement ma modification qui est apparue. Donc rappelez-vous, on avait modifié l'heure, donc c'est effectivement de passer de 15h à 16h, et il s'appelle désormais rendez-vous test 1.2. Et enfin, et bien maintenant que notre automatisation est terminée et qu'elle fonctionne, parce qu'on vient de la tester, ce que vous allez devoir faire, c'est régler en cliquant ici sur la flèche quel intervalle elle va s'exécuter. Donc moi, comme je vous le disais tout à l'heure, ce genre d'automatisation, je fais en sorte que ça s'exécute toutes les 5 minutes. Alors attention quand même à quelque chose, c'est que Mec va vous facturer en fonction du nombre d'opérations qui sont exécutées. Donc pour éviter que votre automatisation tourne à des moments qui ne servent pas, ce que je pourrais vous conseiller de faire, c'est en cliquant sur Advanced Scheduling, vous pouvez lui dire que par exemple ça va s'exécuter que les jours de la semaine, et puis vous allez pouvoir lui dire aussi que vous allez faire tourner votre automatisation que de 8h à 20h par exemple, et comme ça, ça évitera d'avoir des exécutions pour rien qui s'exécutent la nuit, ça limitera en fait le volume d'opération. Et voilà, et maintenant que c'est terminé, vous cliquez ici sur On, et vous n'avez absolument plus rien à faire, votre automatisation va tourner et va venir remplir votre calendrier Outlook de manière automatique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et je vous dis à lundi prochain.